Let's go les gars, on n'attend plus que le capi. Il a sorti la paire de lunettes, incroyable. Allez, c'est parti. Yo bro, ça se passe? Voilà, je suis un gamin, wesh. On est en pause. Petite pause café déjà, wesh. On a même pas fait 20 km. Bon, c'est le moment de se ravitailler. Hein. Vous voulez pas prendre un petit sandwich triangle là? C'est plutôt. Vous savez, comme ils sont avec moi, c'est vraiment des enculés. Des vrais enculés, KO. Toujours méchant, j'ai toujours le délai. Je sais qu'ils sont cramés ma tête, toujours méfiant, j'ai toujours un délai. Ouais. Marche avant. Ouais, marche avant, frère. Après, tu sors en marche arrière, tranquille, non? Ah, c'est dingue. C'est lui au fond, là? Monsieur Kilik. Ben quoi? Ça va quoi? C'est la chambre privée, ça. Rien que pour moi. Pareil pour la salle de bain. On va aller faire un tour en bas, voir ce qu'ils font, quand même. Bon, on va aller faire un tour, on va aller vérifier un peu ce qui se passe dans ce week-end. Hein. Ah, ça commence à casser des bails. Ah, le coupable, il est là. On va aller voir un peu les autres, hein. Comme d'hab, hein, tu connais. Cos, ça va ou quoi? Ça se passe? Là, on a le plan chicha, les deux mecs de chicha. Dadou, c'est comment? Le chalet. C'est pas mal, hein. Bon, on va aller voir les survivants. Ah bah, déjà, on a notre bon vieux défenseur Perrin. Hein, ouais, ouais, hein, toujours là, mec. Toujours là en vie. On fait un petit tour, on va voir. Capi, toujours en vie, ce qui est normal. Antoine, toujours là, ça bouge pas. Frérot, ça va quoi? Ça dit quoi? Je vais rejoindre le côté obscur, comme on dit. Je vais pas m'avancer un peu plus. Il y a des gens qui sont rajoutés. On vient d'arriver. La vraie soirée sera demain. Première soirée demain, comme ils ont dit. Demain, il y a des petits projets. On va voir. Hein. On essaye de voir. Bon, ciao les mecs. Bon, je vous montre pas trop ma tête. Je suis un peu éclaté. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait le coach. Coach. Oh, non, mais c'est qui lui? Bien quoi, les gars? Bien quoi? Dès le matin, petit billard, je mets ça raclé à Aurélien. 3 heures de sommeil. Arrête. 3 heures. Ah ouais, déjà? Merci Jim. Bonjour Jim, ça va? Vous allez bien? Là, il faut que je parle à la caméra un peu. Vas-y, tiens. Là, il faut pas tomber, hein. Il est 11h45, les gens se réveillent. On a match dans 2 heures. J'ai pris le jacuzzi comme si c'était le mien, je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Ici, c'est chez Warm. Dommage à la vue. Mais est-ce qu'il y a une vue? Vous la voyez pas, hein. Mais la vue, elle est incroyable. Bon, les gars. Hop, 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 il a tout.
Il n'y aura pas assez de potes pour tout le monde. Bon app les gars, bon app, bon app. Bon appétit. Bon app les gars. On fait 3 fois 3 d'abord. Il est où? 11. J'ai 11 putain. 12 sur le banc. 12 sur le banc. Je vais faire le 12 que je serai à le 3. Je sais pas où il est. Ça va être incroyable. 7 ou 3 ouais. Il rêve du 7. Il rêve du 7. 3, 3, 7. Il rêve du 7, il en parle depuis des mois. Ça fait 2 jours qu'il en parle. Je la tiendrai juste que j'ai le 7. Capi, capi. Bon, c'est parti pour le match. Let's go les gars. Direction match contre Villers-sur-Turc, je crois, c'est ça. Ouais, Villers-sur-Turc, ouais. Sur-Turc. Match amical. On va voir ce que ça va donner, hein, parce qu'on a bien fêté. Hein. On verra. Ah, le nouvel arrivant. 1h30 de route pour faire le match. Adri, les premières impressions du terrain. Adrien, t'en penses quoi? Catastrophique. Hein. 1h30 de route pour un match amical. T'es un bon Adrien. Bon, ça change de jouer entre les blocs. Belle vue comme ça. Terrain. Il a neigé la semaine dernière. Mais ça va. C'est nous, c'est Gana, le seul qui l'a repéré, c'est ça l'a rappelé qui. Oh, ils ont des ballons de fou, hein. De foot de fou. Ils ont des vrais ballons. Des ballons de foot. Ils ont des ballons de foot. Depuis quand tu filmes, Jim? Les gars, dégage. C'est parti pour dormir pendant une heure et demie. Ça me bat les couilles. Frère, on joue sans qui? On joue sans balle. Coach, confirme du match. Mais oui, s'il te plaît. On va aller tard quand? On va aller terminer. Ouais, tu t'as pas droit de faire. Tu veux petite coupure pour vous expliquer un peu. Malheureusement, on n'aura pas de rush du match. Suite à une batterie défectueuse, ça nous a effacé tous les rushs. Donc, on va tout de suite passer aux explications et je vous souhaite un bon visionnage. Pour vous parler un peu du match, reprise pour notre équipe, un peu compliqué. Compliqué, terrain boueux. Mais au-delà de ça, c'était une très belle rencontre, une équipe... Villers-sur-Turc, très accueillant, des personnes
heureux en fait de jouer tout simplement, même si on est au bas niveau, ça a été un plaisir, c'était un grand plaisir. Défaite 3-1. On va aller tard quand, on va aller terminer. Ouais, je t'ai pas besoin de faire. Mais c'est que la reprise, on a encore un championnat à jouer. Autant on a déjà fait. Hein. Santé. On va faire deux fois, tu me dis. Santé les gars. Santé moi. Vas-y, on va prendre un. C'est supplément, brassard. Ah ouais, carrément. Ah merde. Après, je te ramène le truc comme ça. C'est lequel, tiens. Oh, ouais. Le linge, il est fini. Oh, mais j'ai une flemme, frère. Et faut que je le fasse. Faut que je mette ça à 13. Et dépêche-toi. Il faudra que j'ai la flemme. Bon, les gars, déjà, je vais commencer par un énorme merci pour tout. Donc, pour commencer par ce week-end au chalet, c'est la première fois que j'organise ça avec des joueurs, des amis et même des frères à l'heure d'aujourd'hui. Alors bien sûr, pas mal de personnes ne pouvaient pas venir ce week-end de cohésion, mais je pense qu'ils méritent aussi leur part de remerciement. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour moi, en 15 ans de football, c'est la première année où je ressens du pur plaisir à jouer au foot. Avant de voir mes joueurs. Par contre, juste une pause. La prochaine fois, choisis quelqu'un qui a pas de problème de dyslexie. C'est pour ça que t'es pas nul, frère. Aujourd'hui, quand nous regardons notre groupe, il y a de tout. Des têtes que je connais depuis que j'ai 5 ans, des têtes que je connais depuis 3 mois, des Arabes, des Noirs, et pourtant, en parlant ce soir, j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette équipe, et pour ça, je nous applaudis. On sait que dans notre groupe, il y a toujours du mouvement, des arrivées, des départs, mais j'espère que la plupart des gens que l'on considère, c'est-à-dire ce groupe, ont le même souhait que nous. Voilà encore une fois, une dernière fois, merci les frères, et j'espère que tout continuera à rouler sur des roulettes. Peace. Les gars, bravo, 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 bravo. Merci coach. Les gars, bah, mais il y a des voitures qui vont bouger, je pense. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que faut qu'on charbonne, les gars. Ouais, les gars, go. On va tous, on se met tous sur le rangage. Allez, go, rangage. Parce que les gars, ça sent trop ça, merde. Bon, je vais faire un tour, voir si mon frère. Qu'est-ce que t'as de... Ouais, retour, retour. Là, je suis fatigué, les gars, sur la tête de ma frère. Là, je suis fatigué, grave. Eh, c'était bien, c'était tueur. Ça va faire des souvenirs un peu. Non, c'était propre, ça sera comme incroyable. Cette mission, on se barre d'ici avant qu'ils voient les poubelles. Allez, c'est ciao, mec. Bon, on est sur retour. Bon petit week-end. Raph, t'en as pensé quoi, frère? Ah, c'était folklorique. Folklorique. Eh non, Raph, vas-y. Sur ta tête, 5000 euros caution sur ta tête. Charles Pepon, je vais te tirer dans la tête. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, c'est dans la tête. Lunettes en or, petit costard d'Italie. Je m'en fous de toi, cet été je vais bronzer en Turquie.